vendredi 2 décembre qui se passe à là. Département Trésor américain vient avec nouvelles sanctions contre différents acteurs politiques en dedans pays. Gagné deux sénateurs de la République, ancien sénateur Hervé Foucault et sénateur Saint-Clan Ronnie Célestin qui tombait en bas sanction au FAC. Depuis bien longtemps, nous voyons Canada qui s'est un allié, un concordat des États-Unis, l'été prend individuelle sanction contre différentes personnalités en dedans pays, en parmi eux, ancien président Michel Joseph Martelly, ancien premier ministre Laurent Lamothe, ancien premier ministre Jean-Henri Seyon, gen ancien député Gary Bodo, différentes personnalités politiques, Takou Roni Celestin, Hervé Foucault, etc. Yo prend sanction contre Mounzayo, mais le Canada prend sanction contre ancien président Martelly, Laurent Lamothe et Jean-Henri Seyon, qui ça nous remarque États-Unis fait? États-Unis, salue décision. États-Unis apprécie décision, li caresse décision. Gen paquet zami qui attend pour yo tande est-ce que nan sanction États-Unis pral pran contre moun yo, pral gen nan Martelly, pral gen nan Lamothe, pral gen nan Seyon kap soti la dan. Le ou fak pran décision 2 décembre passé à là, c'est rete moun rete yo pa wè ni nan Martelly ni nan Lamothe la dan. A pile question à poser. Pour qui ça nous mette l'IA, nous la mode pas jamais qu'à sortir parmi sanctions, parmi moun États-Unis après sanctions contre yon. Eh bien, je dis à l'émission, on pral konnen exactement qui côté nous la mode fait, qui côté nous mette l'IA fait, qui raison qui la cause, journée jodi an là, États-Unis a sanctionné tout le monde, mais yon pas jamais qu'on arrive ni sous Martelly, ni sous la mode. Sous campé Chita, sous Chita déjà, rale tire de l'eau, rale tire jour, pou mouè, parce que jodi an la, ou pral jwenn tout détail, yo bon jen information, nan bon timamit, ou pral konnen est-ce que son jouet coquin États-Unis a joué, ou pral konnen est-ce que c'est Haïti qui pou poursuivre nèg sa yo, qui sa ka passe nan sa ki gen pou Martelly ak Lamothe, nan kal sanction États-Unis a pran kont moun ka finance gang, kont moun ka fè trafic drogue en dedans pays. Nous gagnons pour nous recevoir aujourd'hui dans l'émission sénateur Jacques Sauveur Jean. Pendant le déroulement de l'émission, on a fait contact pour nous recevoir et sénateur là. Parce que nous avons gagné pour nous parler sous différents points qui a dominé l'actualité en tant que situation et catastrophique ça qui a passé entre Haïti et la République Dominicaine. Traitement inhumé, dégradé à Haïti en République Dominicaine. Nous avons gagné pour nous parler sous sanctions internationales. N'a gagné tout pour nous parler sous situation sécurité au pays d'Haïti pour nous garder qui perspective qui gagne pour 2023 pour nouvelle année qui a bien pour venir là. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui pour m'arrêter avec une émission pour l'an qui parle autre que mon éditorial avec Yannick. Pendant un bon petit bout de temps là, nous parlons par le pays. Nous allons analyser ensemble différents points d'actualité. Nous souci pour être connecté à tout détail qui a passé en dedans pays pour qu'arrêter bien informé, pour qu'arrêter comme moun avisé, moun qui comprennent ça qu'a fait là tout bon, sans voyer monter, sans reprendre, n'a fait bagaille en l'autre gens. Donc, préparez-vous, nous allons parler pays dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, États-Unis et Canada. Comment se fait bagaille là? M'pa kache dou, société civile nan te content. M'pa kache dou tout, population haïtienne nan te content parce que gon jan t'a privé sous politicien yo, gon jan yo te commencé à agir de manière coordonnée pour sanctionner des hommes politiques en Haïti. Pour sanctionner politiciens qui soit disant gen relation à gang, politiciens qui financent gang, politiciens qui baillent gang, zam qui baillent bandi moyen. Pour si ma et violence en dedans pays. Politiciens qui n'ont trafic de drogue, politiciens qui vendent cocaïne, qui font corruption en dedans pays, qui a fait l'argent, mauvais l'argent, l'argent sale. Bon, les États-Unis ont commencé à arriver sous Negio. C'est comme si ils prennent coup de toit dans le conni et puis ils disent, rangez quoi, nous arrivons sous. Eh bien, depuis quelques temps, là, nous n'avons pas de coordination encore. Nous, chaque monde, nous n'avons pas de faire des choses. Et pas vrai, les États-Unis ont fait pas.
Canada fait pas. Jusqu'à présent, si bon pays qui sanctionnait plus politiciens en Haïti, il parle autre que Canada. Tendez bien. États-Unis et Canada ont commencé à sanctionner, ont commencé à curer la tortue, ont commencé à Joseph Lambert. Tout de sanctionner Mounzaïo. Après un petit temps, nous, le Canada, vient avec une autre liste. Dans la liste, ils ont sanctionné Garibodo, ils ont sanctionné Rony Célestin, ils ont sanctionné Hervé Foucan. Jusqu'à présent, États-Unis l'a félicité. États-Unis a piqué pour plus devant. Gros liste encore rapide, vite Canada sorti. Dans l'ISA, il y a un ancien président Michel Joseph Martelly. Il y a deux anciens premiers ministres, Laurent Lamotte, Jean-Henri Seyan. Tout le monde attend pour États-Unis pour suivre même processus, même courant, pour mettre l'ISPA dehors, côté que le bras sanctionné Martelly, le bras sanctionné Lamotte, le bras sanctionné Seyan. À notre grand étonnement, qui s'en aux États-Unis fait, États-Unis de préférence, lui féliciter décision que Canada prend pour sanctionner Martelly à deux anciens premiers ministres. Mais lui-même, lui pas monté dans bateau là, lui-même, lui rete dehors. On comprend? L'a caressé, l'a voyé fleur pour Canada, mais lui-même, lui pas arrivé sous place. Lui pas arrivé, il pas prendre décision ça, il pas prendre sanction ça. Et vendredi 2 décembre qui passait, hein, qui ça nous est au FAC, département du Trésor américain, yo sorti yon liste côté que yo sanctionné deux personnalités politiques en dedans pays. Yo sanctionné Rony Célestin, yo sanctionné Hervé Foucan. Jounen jodi an la, bien moun sa yo ta gen aux États-Unis, y a saisi yo l'argent kontan bank yo ta gen aux États-Unis, y a gelé yo, etc. parce que yo gagné sanction Trésor américain sous do yo. Kounye, à partir de là, on commence à poser des questions. Qui le sanction Martelly a vini? Qui le sanction la mot la paterie? Qui ça a passé pour qui ça gagne manque de coordination ça? Pour qui ça États-Unis n'a pas la faire pas? Canada n'a pas la faire pas? Alors que yo te entendu, sous base résolution 2653 Conseil de sécurité des Nations Unies, depuis ces moun, yo joine qui participer dans corruption, moun yo joine qui participer dans financer gang, violence criminelle dans le pays, y a sanctionnel. Alors que Canada mette non Martelly, mette non la motte, mais États-Unis pas jamais fait rien. Qui ça cap passer? Côté non moun ça yo fait. Est-ce que nous ka espérer demain matin là, dans jour ka venir là yo, non Martelly avec la motte avec l'autre moun ça yo, la personnalité que États-Unis pour sanctionner, mais Canada sanctionner. Est-ce que nous avons joué moun sa yo en bas sanction États-Unis? C'est là que vient le problème. Bon, grave problème qui pose, et c'est ça pour le comprendre, pour le connaître aujourd'hui. Là. Qui sa bagay la précisément? Nous songeons en 2010, le Martelly te pose candidature, li, pas vrai? Te gagné gros scandale, gros lobby qui pète en deux dans le pays, comme quoi Martelly yo dit c'est citoyen américain. Martelly ta gagné un passeport américain. Et le Martelly fin président pays, il y a fin fait toute corruption, toute zak corruption, truc élection, etc. Et l'ambiante douli, yo volé élection dans mes Jude Zélestin, yo bay Martelly. Et à l'époque, nous te gagné président Préval qui participait dans zak, dans crime de haute trahison, ça, volé élection, violé souveraineté pays, dans l'intérêt international, dans l'intérêt États-Unis, dans l'intérêt OEA, pour yon mette Michel Martelly président pays. Après Martelly fin élu, ou vin jouen ancien sénateur Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, pendant tout le temps, le fait dans le Parlement, pendant tout le temps, Martelly président, li levo seul lobo, seul scandale, Martelly c'est citoyen américain. Martelly rele Michael, Joseph, Martelly, etc. Martelly, oui, li kwè même. Martelly, c'est citoyen américain. Il y a des gens qui disent, Moïse Jean-Charles, il y a des gens qui disent, Moïse Jean-Charles sera d'autre. Il y a des gens qui disent, Moïse Jean-Charles a baillé bluff, etc. etc. Mais je dis, là, est-ce que nous prenons tomber dans la logique pour nous baillé Moïse Jean-Charles raison? Est-ce que nous continuons à dire le monde fou, etc. Qui ça qui pose? Qui problème qui est là qui fait États-Unis pour que j'aime qu'à sanctionner Martelly, li pour que j'aime qu'à sanctionner la mort? Ça passe qui fait jusqu'à date depuis le Canada sanctionné Mounzaïo États-Unis pour que j'aime qu'à sanctionner. Qui ça passe? Est-ce que Mounzaïo c'est citoyen américain? Est-ce que Mounzaïo yo bénéficie de protection légale aux États-Unis? Nous pourrons répondre à la question ça pour comprendre plus bien pour qui raison nous Martelly dans la mort pour que j'aime qu'à sortir dans l'isme des États-Unis à sanctionner. Je vous dis là, Martelly la mort de Mounzaïo précisément.
yo fait face avec une protection légale aux États-Unis. Est-ce que Mandel a un passeport américain? Moi, Powell, m'a pas dit, il a un passeport américain. Est-ce que Lamotte a un passeport américain? Est-ce que c'est citoyen américain? Je n'ai pas un passeport, m'a pas dit, yo c'est citoyen américain. Cependant, c'est la bémol là. Cependant, tenez bien, si nous pas qu'à quelle première hypothèse, yo c'est citoyen américain parce que yo t'a un passeport américain, mais bon l'autre hypothèse, côté que Mounzayo, yo c'est des résidents permanents aux États-Unis. Yo gen carte de résidence aux États-Unis. Et automatiquement, ou bénéficier de protection légale aux États-Unis, États-Unis gouvernement fédéral là yo pas ka sanctionner n'importe qui gens. Et c'est ça qui fait li plus facile journée jodi an là pour pays États-Unis pour sanctionner des ressortissants étrangers. Là m'a parlé de ressortissants étrangers, m'a parlé de monde qui pas résidé dans pays États-Unis. M'a parlé de monde qui pas citoyen américain. Et ça fait jodi an là, n'a tout profité konn qui est qui est. On tout profité konn qui est qui gagne double nationalité, double citoyenneté, qui est qui gagne passeport américain, qui est qui gagne passeport canadien, qui est qui gagne passeport français, etc. Journée jodi an, premier élément ou gagne comme preuve justificative, c'est que Michel Mandel et Laurent Lamotte, si yon pas citoyen américain, yo gagné yon document nan men yo qui prouve que yo résidé de manière légale aux États-Unis. Et automatiquement, on réside aux États-Unis de manière légale. N'importe procédure qui pour faire contre ou même, c'est devant un tribunal pour faire. Donc, li facile pour États-Unis sanctionner Ronnie Célestin, li facile pour sanctionner Hervé Foucault, Gary Bodo, même le Canada fait là parce que moun sa yo pas ni résidé, pas ni citoyen paysan, yo c'est des ressortissants étrangers. Donc sous base ça, c'est pilonné Canada pilonné, c'est pilonné États-Unis pilonné, c'est pilonné au fac pilonné parce que sous base résolution 2653, moun sa y a fait corruption, yo c'est trafic en drogue, y a financé gang, y a financé violence criminelle dans le pays, il faut gagner des décisions qui prend contre eux-mêmes. Kounya. Étant donné le pas facile pour États-Unis sanctionner que le Martelly, que le Lamotte, journée jodi an là, faut connait exactement pour qui raison. Si moun sa yo, yo ta gagné son passeport ou bien yo ta gagné un permis de résidence aux États-Unis, eh bien automatiquement gouvernement américain envie vle sanctionner moun sa yo, c'est à travers une procédure devant un tribunal. C'est aller dans l'état avec nèg sa yo. Parce que on pas ka anik di ou pral sanctionner un citoyen américain ou bien un moun qui réside légalement sous sol là sous base et dénonciation ou bien sous base et comment te ka dit ça sous base dénonciation ou bien des séries de moun et qui a véhiculé des informations tant que par exemple ou joine des lanceurs d'alerte ou joine des séries de journalistes qui a dit que Mateli nan basement d'illégal, Mateli c'est si, vous comprenez, côte plage après le Caribe, nèg yo gagotel, nèg yo volel, etc. Ou fait des allégations. Sous baza, yo pas quand on dit yo pral sanctionner que le te Mateli, que le te Lamotte. Faut que yo gagne des preuves. Est-ce que journée jodi an la preuve ça existe aux États-Unis? Est-ce que journée jodi an la États-Unis, il gagne volonté vraiment pour sanctionner Mateli, il gagne volonté pour sanctionner Lamotte? Est-ce que vraiment États-Unis, il gagne volonté pour aider Haïti contre bandi légal ça yo? Ou bien il a fait temps passer parce que nous connaissons le gouvernement américain a agi. Li agi en connaissance de cause. Journée jodi an la, considérer Mateli Lamotte comme des ressortissants américains, li pas facile pour yon anik di OK, mais j'en ai Canada sanctionné moun nan pour yon sanctionné yo. Parce que on résident légal aux États-Unis, on citoyen américain, on moun ki gon code de résidence aux États-Unis, si gon action a fait ou supposé à lever devant tribunal, moun sa li gen moyen de défense, moun sa la ka défendre tête li face avec gouvernement américain. Et c'est ça que fò wè nèg yo à l'aise comme ça. C'est une des raisons que le Martelly, que le Lamotte, yo à l'aise, yo confortable, yo pas peur. Ou est-ce que plus facile pour demander pour Canada bayo preuve, ouais, Lamotte dou la poursuivre Canada pour le bayo preuve, etc. Parce que li connaît aux États-Unis, yo pas risqué poursuivre li sans que bagala parle dans tribunal, à l'en tribunal son litige, la prend l'argent, la prend temps. Donc jusqu'il temps s'il vous plaît, moun sa pral tomber en bas sanction. Est-ce qu'on comprend? Donc nous voulons c'est des moun qui éclairé, des moun qui avisé. Pour nous pas dire n'importe bagaille, n'importe qui genre.
Si nous tenons erreur hier, je dis en nous supposer dans lumière. Si nous tenons fait noir hier, je dis en nous supposer dans lumière. Parce que nous pas qu'à faire bagaille tant que tout quidam. Nous pas qu'à faire bagaille n'importe qui. Je pense que nous voulons nous comprendre ce qui a passé à terre là. Oui, il est facile pour nous sanctionner des noms. Des ressortissants étrangers, des noms et des noms résidents aux États-Unis ou bien encore des gens qui pas citoyens américains. Mais c'est pas le cas pour les gens qui sont citoyens américains ou bien les gens qui résident aux États-Unis légalement. Et bien ça, il constitue un obstacle avec toute décision que les États-Unis ont pris contre Mantelli, contre la mort ou bien n'importe l'autre qui a fait politique en Haïti qui gagne soit un passeport américain ou bien un permis de résidence aux États-Unis. Mais bon, l'autre aspect qui est extrêmement important. Pour vous en mettre à demander bien dans cas ça est-ce que Mantelli avec la mort ou bien n'importe l'autre nèg qui t'a américain mais qui t'a gagné et permis de résidence aux États-Unis est-ce que pas jamais sanctionné en cas sanctionné puisque nous apprendre que Nations Unies est pour sortir en liste et pas vrai si Nations Unies sortir en liste et bien sous base liste ça que Nations Unies a pour sortir nous connaissons pas de décision que Nations Unies prend ligne imposable à tous les pays membres. Depuis ces pays qui membres des Nations Unies, automatiquement décision prend Conseil sécurité des Nations Unies prend décision ou bien n'importe l'autre entité en dehors des Nations Unies ta prend l'autre décision depuis li vote li ratifier li opposable à tous les pays membres. Tout état membre des Nations Unies décision ça li imposable avec eux-mêmes kounye a États-Unis l'a obligé conformer avec décision ça que Nations Unies prend. Est-ce que les États-Unis ont gagné pour intenter une procédure? Combien de temps procédure ça prend? Est-ce que la prend 5 ans? Est-ce que la prend 10 ans? Est-ce que la prend 1 an? Nous ne connaissons pas. Mais l'essentiel, c'est que depuis les Nations Unies, tu as sorti en liste, non Mantelli, non la mort, ou bien n'importe l'autre nègre qui a fait politique en Haïti, qui a le caché aux États-Unis, qui a un passeport américain, ou bien qui réside aux États-Unis de manière légale, eh bien, les États-Unis ont obligé, d'une manière ou d'une autre, sanctionner. Pas bien ou pas voilà. Pas bien ou pas voilà dans la situation. Donc, de ce fait, je dis à l'an, vous comprenez un grand bagaille. Nous captons sanctions par rapport aux États-Unis. Nous risquons de prendre temps pour nous, États-Unis, sanctionner Mantelli ou bien la mort ou bien n'importe l'autre qui a bien pour venir, qui est citoyen américain mais qui réside aux États-Unis, sans que vous pas intenté une action légale, sans que pas un procureur qui a allé là dans le tribunal, à porter plainte ou bien à ouvrir un dossier, etc., pour poursuivre les gens. Et c'est une des raisons. Lors des États-Unis a pris sanction ça au Canada prend sanction ça contre personnalité politique en Haïti. Yo attendent yo que nous même en Haïti nous fait ça nous pour nous faire, ça nous doit faire. Et qui ça nous doit faire? Si vraiment nous t'ai gommé justice. Si vraiment nous t'ai gain autorité judiciaire qui a pensé. Comment est-ce Jacques Lafontaine qui style là? Enquête t'a mené. T'a gagné collaboration, t'a gagné entraide judiciaire qui fait rapide vite tout à pour Jean-Victor Généus li écrit ambassade Canada là yo fait toute liaison pour yo faire là pour yo mande preuve yo gagne contre moun sa yo contre moun Canada sanctionné yo t'a fait de même pour yo mande preuve contre moun sa yo États-Unis sanctionné yo à travers ministère affaires étrangères yo t'a fait toute coordination toute liaison qui pour faire pour suivi judiciaire qu'a fait dans dossier mais comme tout moun sa affaire pas réglé régler comme tout moun gagne moun pas ka protéger yo pouvoir PHTK, la justice PHTK, exécutif PHTK, donc pas besoin d'où si nèg ou qui s'est allié PHTK, si on risque de sanctionner un jour en Haïti. Donc par rapport avec situation ça, qui ça nous fait nous-mêmes? Et bon, l'autre bagaille encore qui est extrêmement important. Ça qui est important dans ce moment-là, c'est le fait que nous avons occasion en or pour nous tout faire passer maintenant classe politique là. Passer maintenant classe politique là, comment qui gens pour qui ça? Si nous prenons exemple, le sénateur Lambert il était déclaré que et pays États-Unis OEA etc. yo te mandé pour changer résultat élection pour yo mettre Mantelli favori by Mantelli élection j'étais juge Célestin etc. Nous supposons commencer prendre note pour nèg sa yo. Ça c'est pas américain qui dit. Ça américain dit contre nèg yo douce allégation c'est mensonge etc. y a terni image y a sale caractère. Dat n'ap sal karakter moun anan de dan beyi ya. Nou gen moun la se insinere nou insinere karakter yo. Tellement nou fè, oui.
Jean ça qui est annoncé bien je dis là moi gars avec moi sénateur Jacques Sauveur Jean ensemble nous pral garder situation pays en situation difficile pays à confronter je dis là nous pral font diagnostic et sous différents points qui a dominé actualité à problème haïtien dominicain Jean Dominique a traité haïtien instabilité politique situation sécuritaire en dedans pays nous pral garder en long et en large pendant un bon petit temps ça qui a passé en Haïti et qui perspective sénateur Jacques Sauveur Jean gagné pour 2023 qui vient là pour nouvelle année ça parce que nous pas qu'à aller dans nouvelle année avec même très très politique et sénateur Jacques Sauveur Jean m'a bienvenue dans l'émission mon éditorial avec Yannick et comment vous êtes. Bonjour Yannick, bonjour à toute l'équipe. Bon, je parle d'internautes. En fan de Jacques Sauveur Jean, comme toujours, mettez en premier en ville. Mathieu, on vous en salutation cordiale pour vous. Moi, temps d'introduction, là, moi, on voit exactement lumière à chercher pour auditoire, là, pour l'audio. C'est simple. Le cas d'Haïti, c'est pas un bagage qui est trop difficile à comprendre. Et comme moi toujours utiliser des métaphores pour expliquer mon et la situation, ma première encore aujourd'hui. Par exemple, un dimanche matin, je fais soupe jumou bataille. Soupe jumou, je fais dimanche matin parce que tout le monde traditionnellement boit soupe jumou dimanche matin. Mais maintenant, pour une raison ou pour l'autre, ils ne passent pas le dimanche matin pour une raison ou pour l'autre, au cas de force majeure. Et lundi, mardi, mardi, mercredi, ils ont dit séparer le vendredi. Mais ça n'a pas changé de venir. Ça n'a pas fait parce qu'ils ont séparé le vendredi, puis Dieu a brûlé. Il était sous le jour. Ça vous et nous, à comprendre que pour le cas d'Haïti, qui ça Colombio qui est réservé pour nous depuis un jour où tu as de séparation, quel type de vie, civilisation qui a été proposée à nous-mêmes là, en tant qu'esclaves, en tant que, et même en tant que colons, est-ce que d'après nous-mêmes, parce que c'est en 2022, il a changé, est-ce que menu en parlant l'autre? C'est-à-dire que ce que nous réservait les colons depuis notre arrivée ici sur cette terre, au menu reste encore la même chose. Comment on va traiter ces nègres? Comment est-ce qu'on va quelle sorte de vie qu'on va leur proposer, qu'on leur a imposé? Et bien, à ce moment-là, il n'y a pas que nous-mêmes qui sommes capables de jouer bon gens pour résoudre le problème entre nous. Comment le faire? Parce que on va comprendre Haïti et Haïtien. On parle des pays amis d'Haïti et on cite respectivement les États-Unis d'Amérique. On parle de la France, on parle de l'Angleterre, on parle du Canada. Ce sont des amis d'Haïti ou bien ce sont des anciens, des petits-fils, des colons. Qui sont ces gens-là? Comment on fait aujourd'hui à constituer ça une association de diplomates étrangers qui viennent installer en Haïti. Et puis c'est eux qui prennent des décisions pour ce peuple, pour la nation de Dessalines. Donc à ce moment-là, quoi m'attendons à la République dominicaine, que ça l'a fait à Jean Lapel là? Quoi m'attendons à ce qu'il y ait autant de gangs armés? Quoi m'attendons qu'il y ait autant d'assassinats politiques? Quoi m'attendons qu'il y ait autant de crimes? Quoi m'attendons qu'il y ait autant de. C'est eux qui proposent comme esclaves. Parce que c'est eux qui ont inventé l'esclavage. Donc, moi-même, je m'en garde Mounsaïo. Je m'en garde Mounsaïo, je m'en garde la performance. Par exemple, si nous avons la musique de Lara Fabien, je m'en chante, je t'aime comme un fou, comme un soldat. Les gens, ils sont tellement beaux. On a tellement de bagailles à offrir de positif à l'humanité, et ils avaient choisi délibérément de nous offrir l'esclavage sans entendre qu'il y a l'esclavage. Et aujourd'hui, nous faisons choix pour nous faire confiance pour nous prendre une décision pour nous. Si nous ne pas camper ça, nous avons besoin de croire que nous avons une solution pour l'Haïti, même si nous avons
de temps en temps vers un changement, soi-disant, mais on a retourné sous même menu. Hein. Ce qu'ils avaient à offrir ce jour où l'Ouest était fait sous le mois, c'est cette même nourriture que nous serons obligés de consommer même à la fin de la semaine. C'est le problème. Sénateur Jacques Sauvage, et pardon, évoquer la République dominicaine, non, et bien, je vais te question d'armée pour parce que je connais le Nord-Est, c'est le département où, il y a quelques temps là, nous, la société civile, nous avons mis là, nous prenons des décisions, nous bloquons les frontières là, nous fermons les barrières là, etc. Et nous apprenons une délégation qui sortit dans. Qui sortit par au prince, qui sortit dans l'État central, qui débarque dans Wanamet, et puis, et automatiquement, pour aller rencontre qui fait, pour aller négocier ce qui fait, et puis, pour aller ouvrir barrière. Jusqu'à présent, il y a des gens qui font connaître que c'est de force, ils ouvrent barrière là, etc., pour permettre à ce que les produits dominicains rentrent Wanamet, ils rentrent en Haïti. Et par rapport à cette situation, ça, quelle lecture vous faites de décision que l'État central prend pour voir une délégation venir dans Wanamet, pour venir négocier, et puis, pour réouvrir les frontières là pour permettre à ce que les produits en marché binational fonctionnent comme d'habitude. Nous parlons de l'État, Anaï. Quand on parle d'État, l'État est constitué de citoyens habilités à prendre des décisions au nom d'une nation. On a des commandeurs en Haïti. C'est des gens qui sont mis en place par une communauté internationale comme d'adou, pour exécuter exactement chaque blanc, chaque colon, tout bagarre à retourner encore sous ça. Parce que l'autre d'adou, l'État, qui est le chef de l'État haïtien pour l'instant, qu'est-ce que j'ai nommé en chef d'État? Jean-Yves Henry est là. C'est le chef d'État. Comment on t'a dit ça? Il n'a pas d'autre nom. C'est un commandeur. Or, le commandeur, ou pas les gens, il y a plein de sanctions contre un série de dirigeants haïtiens, anciens dirigeants. C'est parce que le colon, il a sa façon de punir ou du moins de taper sur le dos du commandeur, comme il a aussi une autre façon de taper sur le dos de l'esclave. Ça veut dire que ça, il faut qu'on ne comprenne pas une victoire à la donne. Or, il y a plein de sanctions contre un tel, il y a plein de sanctions contre un tel, et que Blanc, il a commencé à comprendre. Mais non! Blanc, j'en parle que le tapé commandeur, hein, le commandeur, m'a fait tel bagage, sous pas tel bien, sous faire maladroitement, mais qui j'en m'a et esclave là, ou même sous pas respecter ça, que nous j'en m'a tué, mais qui j'en m'a. On est sur cette forme de civilisation en Haïti qui fait que l'un a posé, si on pose un pays normal, que ça l'État haïtien. Donc, on va dire l'État, parce que l'État. L'État, c'est tout espace-là, tout le monde qui la donne avec un sentiment patriotique. L'État, c'est comme d'adou, c'est un bagage souverain qui a le droit de prendre des décisions, de négocier, de faire la guerre, de discuter, de faire n'importe quelle chose. L'État. Mais là, nous, on a des attaques avec des restes, avec des commandeurs et des esclaves, d'autre part, et puis le plan là-haut se comporte comme s'il était. Tout ça est passé dans la frontière là. On a maintenant vécu à 10 minutes de la frontière. Mais c'est la volonté du blanc. Que la volonté du blanc soit faite. Parce que c'est salé. Parce que Marjou du bagaille. Nous en République dominicaine, nous en Haïti, son île. C'est un gros oiseau qui vient deux ailes. Si aux ailes, pas jamais calme, pas pour le voler dans avant même. Et puis, où est-ce que l'autre zèle lui-même, c'est le cas, fou, pour que mes oiseaux en l'aient. Ça veut dire qui ça? Les oiseaux, ça voyage bien. Donc, l'île d'Haïti, quel que soit le dégain là-dedans des Dominicains du côté est, des Haïtiens du côté ouest, il faut que nous soyons capables de développer une politique économique, une politique qui est capable que nous gardions, fait de nous un État normal. Et le choix en mine a fait, le comportement nous avec le monde qui a une relation diplomatique avec nous, et même si on a parlé des États-Unis ou la France, je n'ai pas parlé de M. Blanc comme ça, je parle de M. C'est pas parce que je ne travaille pas avec eux, je ne parle pas avec eux. Une fois que j'ai besoin d'abord reconnaître est-ce que ce sont des adversaires, si ce sont des adversaires, on va discuter avec des adversaires. Si ce sont des amis, on va discuter avec des amis. Parce que la discussion qui peut s'entretenir entre
plus bref sur l'affaire de la République dominicaine. Qui politique qu'on a fait avec la République dominicaine, le tout son besoin dépend de lui. Qui donc a fait mes frontières dominicaines, même si Dominicain a vu un produit gâté, ou du moins produit lio, et qu'elle pas même besoin, ou dire est-ce qu'elle produit spécialement pour, et vous-même qui besoin, non. Qui sont faits, qui sont proposés comme pays à citoyens qui vivent dans la caillou. En d'autres termes, pour l'autre, avançons l'autre métaphore. Qui j'en pour faire modèle qui m'a bien dit doucement en d'embouchou. Ça n'a cherché en d'embouche dominicani, j'en ouye là, pour que chaque fois le fait même bouche, c'est nous le modèle. Donc, où est-ce que vous pouvez comprendre que l'offre a dit, où on chance pour son île avec deux équipes. C'est d'un coup qu'on a mis le Brésil avec l'Argentine sur le terrain de football. Comme si souci Argentine n'est pas bon dans le Brésil gol, souci Brésil n'est pas bon dans l'Argentine gol, nous-mêmes nous passons faire gol même. Et que nous là, nous on a chauffé, et la République dominicaine a tiré dans le canot toute la journée, nous passons un plan pour une contingent pour intercepter, nous avons une équipe de défense, nous-mêmes nous sommes en frontière, disons que nous attaquons. Disons que nous attaquons dans la frontière. Où est-ce que nous occupons? Nous avons la ferme agricole de Mélande, une déplantation de riz. Où est-ce que nous devons où est-ce que l'État qui vient demander de la m'abriser? Où est-ce que nous devons le contraire, si nous devons disparaître pour empêcher que m'empêcher que Dominique vienne vendre vieux œufs des bagailles. Donc ma feuille là, ça ne dérange ni l'État, ça dérange le cadre. Parce que c'est plus tac facile là que ce que nous devons construire en tant que nation, pour nous continuer, ça crée une force parallèle face à l'autre pays et que Oumdadou. De l'autre côté de la frontière. Et notez. Sénateur, et faut bon poser une question. Écoutez, par rapport avec situation ça, oui, Haïti dépend de la République dominicaine et en termes d'économie, c'est eux-mêmes qui mettent manger et dans bol nous parce que nous pas en production agricole, nous pas en production nationale qui répond avec besoin de population, mais j'en viens gagner paysans ou même ou faire approche là ou gagner ferme agricole ou faire du riz ou plantation du riz. Mais est-ce que ça pas jamais arrivé que l'État prend disposition pour dire bon voilà ou a produit du riz, mais comment yo ka accompagner ou pour produire plus du riz pour aider pour les bagages positifs de la pays? Non. Ou gagner des chefs d'État haïtiens qui signent des papiers avec par exemple les États-Unis d'Amérique pour qu'ils achètent du riz exclusivement aux États-Unis. C'est-à-dire que l'organisation, par exemple, qui mangeait 80 à 95% du riz chaque jour, pas qu'on haïtien, si on parle du riz sous table chaque jour, et à la croix avoir. Même si on parle maintenant, nous parle patate, nous parle poisson, nous ne parle pas de l'eau du riz à côté de la ou rien pour faire avec. Donc, pour un marché qui est aussi sûr, et puis vous décidez que tout du riz à consommer à faire aux États-Unis pour importer, ou qu'il y a terre, ou qu'il y a de l'eau, ou qu'il y a tout le bagage, qu'on fait politique agricole pour être capable de planter du riz à vendre, l'État pas acheté le nom, on laisse le premier consommateur, c'est lui qui a l'argent, il a de l'acheter le boulot dans l'école, il a de l'acheter au moins, il a rien à dire, l'État a au moins rien à dire, mais quelle que soit l'école, ou quel que soit le bureau, à bon cantine, ou bien à bon cafétéria, c'est pour que l'hypocrite la donne à ce moment-là, même si c'est 5%, 10%, 15% jusqu'à ce qu'on grandit à 50% pour pouvoir marcher, ou qu'on a bon espoir. Donc, c'est l'État même, si vous demandez l'État haïtien, vous parlez d'une aide du Japon, ou du moins du Vietnam, ou du moins des États-Unis. Premier, vous demandez du riz. C'est-à-dire que, du riz qui sort au Vietnam, il prend 3 mois, 20 jours pour quitter le Vietnam pour vivre en Haïti. Du riz qu'on plante en Haïti à tout point 3 mois, 20 jours pour planter, récolter en créant des emplois au niveau de la paysannerie. Et ensuite, on a mangé par la caillou sans bon produit chimique. Donc, si nous avons qu'à penser, qu'à réfléchir, qu'à une politique agricole qui met en opposition, qu'on est au moins paille, citoyens ont mangé, en attendant qu'on cherche un gros âme pour un gourmand avec pays qui vivent les inatés, si on a répondu à l'autre externe. Mais même moi, pas de la nation. Hein. Mais pour dire l'État, mais qu'on est à la durée qui débarque sur le marché à la. Et si vous avez l'État haïtien, elle, premier sortant du président Monté, nous pouvons acheter 12 000 tonnes de riz au Taïwan, comme si nous avons
C'est ça seulement nous qu'on a acheté. Et puis, comme si tout ça fait dollar, vous avez remarqué, made in Haiti, parce que c'est en Haïti. Ça achète, on achète, on achète. On ne produit pas. Et moi-même, je suis en position pour nous dire ça. L'État qui est plus considéré des hommes d'un comme ennemis, comme adversaire pour nous abattre. On a besoin de faire apparaître l'aide. On a besoin de prendre un petit mot sur le côté et puis faire le produit positivement pour faire apparaître l'aide. Yo voyez moun agresseur, yo pap qui t'ont acheté engrais dans pays étranger, moun qui gagne exclusivité pour vendre engrais, c'est moun qui importe du riz. C'est pas moun qui plante du riz. Comme bon problème grave que n'a confronté que nous t'a ka résoudre, mais avec yon sentiment, yon approche de s'aligner côté que n'a pensé la prospérité des noirs par les noirs pour les noirs. Dans un pays noir, parce qu'on ne peut pas vous expliquer que c'est blanc pour la prospérité pour nous, bien c'est espagnol. On est africain. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a tellement fait nous couettes tous ces blocs pour venir résoudre tout le bagaille pour nous. Donc nous venons tourner nos spirales là. Si ce n'est pas blanc qui parle, nous pas couettes. Si ce n'est pas blanc qui prend décision, nous pas content. Donc c'est exactement ça dans la vie, je veux dire là. Et par exemple, pour nous rentrer dans le dossier sanction internationale, parce que vous avez un problème de coup, et nous avons les États-Unis et le Canada qui sanctionnent différentes personnalités politiques dans deux pays. Et par rapport à la sanction, nous avons une réaction haïtienne, nous avons une réaction société civile. Il n'y a pas de monde qui est content, il n'y a pas de monde qui est ça, tapant, c'est blanc pour parler, c'est blanc qui pour prendre décision pour être satisfait. Et il y a des gens qui sanctionnent. Parmi les gens qui sanctionnent, nous avons par exemple, sénateur Yuri Latortu qui mette sanction ça dans le cadre de sanctions politiques. Et qui lecture ou même on fait de sanctions? Est-ce que c'est des sanctions politiques ou bien est-ce que, soi-disant, entre guillemets, la justice haïtienne t'a supposé intenter des actions, mener des enquêtes pour yon connait effectivement qui relation moun sa yon ta gagné avec soi-disant des gangs ou bien tout yo reconnaître yo comme des trafiquants de drogue, comme moun ka fait corruption, enrichissement illicite. Est-ce que la justice haïtienne t'a supposé mener enquête pour regarder effectivement est-ce que moun sa en proximité, gon relation avec bandi ou bien tout c'est des sanctions politiques, on continue tant de sanctions et puis et n'a pas avancé. Comment qui lecture au fait? Comment comprendre sanctions ça vraiment? Yo pas 100% politique, mais toute bagaille politique. Même en tout ça crivé. Moi-même personnellement, je suis sénateur de la République. Moi, j'ai des gens qui font des propositions. Et moi, j'ai senti que les propositions, c'est des propositions blancs. Eh oui. Okay. Parce que les blancs ont des gens qui voient les gens sous dopio pour faire des bagages. Parce que faut le nous. Il faut le gagner, on a liste de coupable comme commandeur pour les sanctionner, les mandats pour faire. Il y en a tout qui est sénateur, qui est président. Et puis qui chagrin, qui presque pas manger parce que blanc, beaucoup de bail, qui l'autre, ça pour exécuter. Puis gros cadeau qu'on fait haïtien, c'est là où est blanc, il est le remettre l'idée, on l'autre haïtien, je vous mets pas des MG, vous tapez le moins. C'est ça qui fait ni opposition, ni pouvoir en place, qui toujours, c'est même pas là, c'est des coques à boum, même pour un propriétaire. Il ne faut pas mettre tête, il y a tué Jonel, il y a tué Lala, avec Michel Deschouquet, Jean Deschouquet, Lala. Il y a fait un bon Dieu, ça, il y a fait Lala. Il a fait Yuri ça au fait là. Il a fait Matéli ça au fait là. Il a fait en face ça au fait là. Il a parlé de plus naïf avec commandeur qui coopérait mieux. Hein. Il a éliminé tout commandeur qui est maladroit, tout commandeur qui est condamné, m'en fout bien. Puisque comment on ne fait pas exécuter ou réaliser, ou du moins oser résister à ça que chef bon pour exécuter. Moi-même, Blanc fait plusieurs propositions, soit directement ou par intermédiaire de monde. Et puis là, il fait une proposition, il n'y a pas qu'on travaille comme ça. Et on m'a dit, il y a des commerçants qui sont sénateurs, il me dit quoi? Il fait que ça, il y a des gens qui sont différents dans la nation. Il dit, il y a des gens qui sont différents dans la nation. Parce que pour arriver sénateur ou pour arriver président, il faut accepter passer tout le test pour que Blanc dise qui ça pour faire, qui le pour faire, qui j'en pour faire. Et là, ça, où on vient des grands sénateurs, comme l'animal politique. Ou elle peut dire le carrément et Jean Barani qu'on n'a pas la boxe du boxe. Ou qu'on est ma sœur, mon sœur depuis 23 ans. Mais c'est grave. C'est grave, mais c'est vrai. Donc là qu'on est à la liste de mon à sanctionner, ou maintenant, vous maladresse, vous bagaille, il a changé, et qu'il a éliminé
Parce que comment alors on dit qui crée dans le vent pour retirer l'école et pour voir le métier. Ça qu'on est arrivé, parce que crée politicien ça, yo. Blanc besoin de tirer dans la politique là pour le voir dans le métier, après le métier manuel. Parce que vous pouvez que vous crée. Mais maintenant, là qu'on y a ou même ou jouer une sanction ça, yo, vous comprenez, vous réjouis, vous faites un peu de l'eau, parce que sanction pour là ou même on est déjà comme esclave. Ça c'est sanction des commandeurs. Mais le commandeur et l'esclave appartiennent à un seul clan. Parce que l'autre partie, lui-même, c'est Blanlier, c'est Colon. C'est lui qui donne et qui reçoit les ordres, qui nomme et révoque, qui tue. Mais. Qui... Également, sénateur Jacques Sauveur-Jean, et je dis là tout, nous avons considéré sanction ça comme une épuration passée, mais qu'a fait dans la classe politique là, parce que une fois que sanction ça prend, nous avons gardé réaction, comportement, paquet de monde là, nous avons gardé par exemple, et Fondation FJKL qui m'a dit pour tout le monde ça qui en bas sanction là, pour la prochaine élection qu'a bien pour faire là, pour tout exclure, pour pas venir dans la question, et comme si vous perdu droit civil, droit politique, yo, pour pas venir dans la question élection, vous radiez dans la question politique. Est-ce que d'après vous même c'est une bonne initiative, c'est une bonne idée? Ou bien, conformez-nous pour nous la satisfaction qu'il faut pour nous venir dans l'élection. Parce que, quelle que soit la situation, ou mettre l'île ou mettre pas l'île, tout vient passe par le blanc jusqu'à présent en Haïti. Moi-même, si je devrais me t'approcher, avec plusieurs fois, je me joue un blanc à l'île, si je me cousin, mais ça pour me faire. Elle me dit, je ne vais pas me faire ça. Je ne vais pas faire ça. Et là, regardez, ouais, quel petit bonhomme ça sont employés. Même si j'ai de bonnes relations avec eux, je ne parle toujours pas avec eux. Je me dis, ok, je suis à vos côtés. Si nous avons besoin d'eux, mais moi-même, je suis intelligent parce que eux, je suis à côté de ma chute, je me plante des pois, je me plante des bananes, je me plante du riz, et puis je me fais un cabrit, je mange des feuilles de moi, je me fais un poisson pour manger, je me fais un poule manger, et puis temps passé, et puis je n'ai pas même besoin d'eux encore, moi-même, ma vie. Et on ne vit qu'une fois. Donc ça veut dire que je ne vais pas quitter au femme tourner un teaser politique. Mais si je me fais un teaser politique, je vais devant tout ambassade et tout. Je ne vais pas faire qu'on y arrive. Je vais faire parce que c'est eux qui fait et défait. Donc moi-même, je ne vais pas les réactions à comprendre. Même parler avec tout le monde clair pour tout le monde comprendre. Et ne pas tolérer les gens qui ne peuvent pas comprendre de monter dans le bateau. Ça comprend en aller. Parce que je ne parle pas très assez pour mon avis, ou pas si je me dis. Mais tout ça m'a dit, je me finis. Pourquoi ça est accessible comme ça pour les politiciens? Imaginons, on est les sénateurs de la République, les présidents, les premiers ministres, ils ont une fonction qui est apparemment noble, une fonction, ils ont autorité la calme. Mais pourquoi ça est toujours aimé à attendre ces blancs pour venir passer au l'autre, ils ne peuvent pas prendre une décision sans que blanc, ils ne pas commander au blanc, pas prendre main. Mais qui ça qui passe? Est-ce que c'est on sous-estime de soi, ou bien c'est comportement colon, rapport mettre esclave qui est ancré dans ici en même journée aujourd'hui là, et que nous avons besoin de paquet de travail pour nous montrer que nous sommes haïtiens. Nous sommes pas différents de Américains, de Canadiens. C'est seulement bataille pour faire respecter la souveraineté pays, bataille pour défendre l'intégrité pays, etc. Qui ça nous doit faire aujourd'hui? Parce que bon génération qui a venu. Si automatiquement il y a plus de classe politique, ça, bon passé mes cap fait, faut que ça qu'a vini derrière yo, faut bon conseil pour yo, faut bon bagaille qui ka comprendre qui ka déclenché le sentiment d'être haïtien, l'haïtianité, faut bon bagaille qui ka déclenché là yo. Si bon mot t'a quitté pour jeune ça qui envie faire politique jodi en sénateur Jacques Sauveur-Jean, qui ça te carrier? Il n'y a pas de génération spontanée. On a beaucoup à apprendre de ceux qui sont là actuellement ou qui étaient déjà là avant nous. Et, mais cependant, gardez bien pour ça, vous faites génération qu'on est. Génération qu'on est à ce moment-là, le sac virtuel va t'expliquer. Si vous parlez de petits jeunes, je parle de Jean-Jacques Desalines, mais de qui est-ce que Jean-Jacques Desalines. Gardez pour vous, vous faites mon âge, j'étais fatigué devant. Devant. Vous avez toute date. Et pourtant, ils ont banalisé ou minimisé. Même 1er janvier, déclaration de l'indépendance, 18 novembre, toutes les dates, ils ont été des dates côté que personne n'est pas capable de. Pas commémorer.
de célébration parce que ils ont honnêtement banalisé, trivialisé, ils ont quitté au nom. Là où est un groupe qui a décidé d'effacer mémoire de la nation, c'est décidé de retourner dans la position initiale qu'il a cherché. 200 ans plus tard, 300 ans plus tard, Oukawa a rétabli l'esclavage. Oukawa a dit que ce n'est pas possible. Mais on a saisi où il rétablit son forme, ou bien il modernise, ou bien il perfectionne. Parce que ils ont décidé d'effacer mémoire, toute jeunesse, pour ne pas même comprendre côté de sortie ni côté de aller. Donc il faut qu'on on groupe de monde quand même intelligent. Donc, groupe de monde intelligent, ça, pour faire devoir famille, et monde qui a un petit Dieu, pour qu'on ait un pour élever, mais qu'on est là. Moi, je vous en dis, chère mademoiselle ou madame. Vous connaissez qu'on est là, si on jeune débarque sous avec tête maman en bas, il se coupe tête maman, depuis qu'il y a comme n'approche, tout le monde dit si t'as là. Ça, ça qu'on fait qu'on est là, c'est l'argent tellement pour gagner. Après, ils n'ont pas besoin qu'on ait qui ont créé l'argent, non? S'il peut donner la donne, s'il y a respect la donne, c'est ça qu'on monde qui a kidnappé l'autre depuis le mal de 200 000 coups. Il va même compter 200 000 dollars, non? Il va compter 700 000 dollars, ni 1 million de dollars, non? L'eau balle, regardez-le. Il y a des gens qui disent qu'ils ont demandé 7 millions de dollars ou 700 000 dollars. Ils viennent et ils ont 7 000 dollars, mais ils ne vont pas compter. Ils ne vont pas compter 7 000, 70 000, 700 000. Et donc, on n'a pas besoin de demander ça, on fait société noire. On ne peut pas voir ces âmes, ces gangs. C'est chaque monde, tout le monde qui est chef de gang, c'est 24 gangs. Les gangs. Barbecue sont un petit monde l'autre jour là, qui est dans la police. La mort sans jour, c'est l'autre jour là, et qui m'ont 24, 26, 27 ans. Yon, c'est des mouns qui parlent qu'un là, c'est pas moun qui est 60 ans, qui est qu'un rapport avec sentiment patriotique ou whatever. Mais, il n'a même pas que, ou après éliminer l'ambert pour mettre barbecue, ou après tirer du riz pour mettre la mort sans jour, ou après, c'est qui est-ce qui prépare, c'est pas blanc qui prépare. Ou est-ce qui ça a préparé pour nous? Si nous parlons, si nous parlons, nous voulons qu'on en a fait. Ou entre nous, on a tué un autre, et puis le fin encore, il a rétabli l'esclavage, quel que soit la forme, il a rétabli là, et à ce moment-là, on a compris qui ça a dit, un colon et un esclave. Mais je dis avant, le bagaille dit tout, et sénateur Jacques Sauvageur, il fait comprendre que, et sous base de résolution 2653 Conseil de sécurité des Nations Unies, il fait comprendre. Et tout, il y a des autorités là qui sanctionnent, qui en bas sanctionnent les États-Unis et Canada, c'est pour relation de proximité ou bien avec gang, avec bandits qui financent les actes de violence, terrorisme et violence criminelle dans deux pays. Donc, ce n'est pas seulement, est-ce que nous avons seulement considéré barbecue, ISO, Tilapli, etc. Alors que je dis là, même international, là, entre guillemets, il y a une certaine reconnaissance, un certain lien de proximité, reconnaître que bandit ça, il y a gain avec des séries de politiciens de notre pays, autoritaires de notre pays. Donc, sous base ça, est-ce que c'est seulement des sanctions, c'est pour les sanctionner les qui fait estimer que vous avez une relation de proximité avec Bandio, ou bien vous avez une possibilité réellement pour les gens qui besoin de pouvoir, leur élection qui besoin de pouvoir, pour vous développer une relation avec Bandio, non façon pour vous gérer l'électorat, gérer côté qui gagne full monde qui permettre que vous prenez pouvoir, et qui lecture fait de situation ça? Tout bagage ça vous dit là possible. Parce que moi, je vis dans le pays d'Haïti. Pour aller à l'élection, on conseille de bagage ou bagage dans mon ou pas mettre l'élection. Nous avons moins une exception parce que nous sommes en qui vivent dans le pouvoir et puis qui ne passent pas qu'un manœuvre là même. Par exemple, des gens qui vont péter pour moi. Par exemple, des gens qui me demandent de faire un bagage pour moi. C'est ça que chaque fois je salue les fanatiques, les sauvages qui occupent un groupe là. C'est eux qui créent une surprise. Et puis qui dit bon temps déjà, qui a parlé trois paroles en pile depuis nous, par les médecins de droite, mais gauche, pas mal au SAI. Et c'est ça qu'il faut m'obliger, j'étais tout debout avec un esquelette en acier, parce que le monde n'a pas de se voir. Mais après ça, le pour gagner l'élection de pays d'Haïti, vous avez pile bagaille pour comprendre. Le pour faire l'élection de pays d'Haïti, vous avez pile bagaille pour comprendre. Il y a des bagailles pour partager un peu pour obliger à faire. Mais well, et c'est pas que faut bagaille aux gens, oui, à moi-même. Ou capable de me lancer encore parce que même blanc m'a dit comment on fait arriver là. Il dit là, elle me sont l'autre monde, mais elle finit encore, il dit ok, on n'a pas le fond, on va encore arriver là parce que ou pas message, nous pas payer. Donc, moi, je pense que au plus malin, au
ministre du monde des affaires, qui pour la taille responsable et modèle rêve Jacques Dessalines Guérin, qui était de bâtir une nation des valeurs justes et équitables. Et pour reprendre l'initiative historique de l'empereur, il faut croire que c'est ça qu'on doit aller, parce que nous allons ramener n'importe quoi. Et pour que ça, il y a quelques fanatiques émissions, j'ai annoncé que ma prochaine émission qui voit quelques questions pour vous, m'a partagé quelques avec vous tout à l'heure. Mais moi, il y a deux dernières questions pour vous. Et depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous voyons dans quel contexte vous mettez Ariel Henry sous pouvoir. Et Ariel, il y a un an passé là, il n'y a pas aucun souci pour retourner avec l'ordre constitutionnel pour une élection qui fait pour un président élu. Depuis le temps, nous avons plusieurs accords qui fait, accord Montana, gen Pen, gen accord historique. Pourquoi ça ne va jamais entendre sénateur Jacques Sauveur Jean et parti dans un accord ça? On va besoin de l'aide. Parce que tout ce sont des accords désaccordés. Dans un accord, le fruit de Jean tape son interview avec un journal avec Magique 9. Et puis, m'entendez le cabrage Bouchli, comme grand intellectuel qui a parlé, que j'ai reçu un appel de américain qui m'a dit que je suis président de la Corde de Condé. Ah, tiens, dans le pays de Dessalines. Maintenant, automatiquement, on vient d'avoir que tout accord sur mon accord désaccordé, qui a besoin d'un diapason qui passe sur eux pour être capable de mettre en action. Moi-même, au niveau du parti des artistes et des paysans, parce que j'ai un parti politique que c'est Mme Laden, et qui s'est parti désaligné avec un idéal désaligné, nous faisons une proposition en trois points et que personne ne va occuper parce que ils ont toujours à comprendre pour venir à l'eau, venir mettre au nom de la mais on va attendre ça, ou même on va vous dire. Une proposition qui est parlée donc gouvernement d'entente nationale, ça qu'on va demander de vous parler d'entente nationale ou déjà web la balade. Donc, entre nous, que nous faisons gouvernement d'entente nationale, qui ont une grande mission. Et cette mission, sans que vous me disiez, c'était monter une assemblée constituante à la haïtienne pour capable travailler sur une nouvelle constitution qui répliquait la constitution de 1860, qui sait qui gagne Odé en Barbara. En bas des selles, monsieur, en cette boulot, qui te connaît que ça te colon et ça pas de colon. Donc, après ça, pour faire élection, pour être capable de mettre en place des nouveaux élus et Mounsayo, pour être capable de lancer essence et une nouvelle Haïti. Quoi pour ça, on va entendre, on va m'occuper. Et parce que c'est blanc pour choisir, pour faire accord, c'est blanc pour approuver accord. Or, moi-même, dans le plan parlant, je dis clair que je ne vais pas gagner la donne. L'homme qui fait femme, on connaît la diplomatie incontournable, m'a toujours écouté, donc on a des relations diplomatiques, on n'a pas le fait dit, on n'a pas le fait date. Même pas la carte à penser solution problème pays, et qui est un pays africain qui prend naissance dans l'esclavage, qui défie l'esclavage, et on a combattu l'esclavage, on est resté dans l'Occident, on sous les ordres de l'Occident, vivre avec l'Occident, pendant que l'Occident, c'est lui-même que nous combattons, pour tuer, nous faire de nos premières nations nègres, des temps modernes, et puis vous nous dites, c'est encore même nec ça, il est capable de vivre, même blanc ça, il est capable de dire ça pour nous faire. Donc, où est, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de proposition. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de proposition. Il y a pas de non. Est-ce que nous sommes d'accord que nous sommes africains? Je dis, ah, mais l'Afrique, bien, l'homme bien, et puis nous ne sommes pas d'accord que nous sommes africains, nous avons besoin de l'homme parce que nous sommes africains. Ouais, souvent, Jacques Sauveur qui sont proposés, m'a dit catégoriquement, on retourne vers l'Afrique. Pendant que l'Afrique a chanté en cœur, liberté ou la mort, on y a là, nous carrément rentrons dans le Corazan, liberté ou la mort, tout, et puis nous mettons tout blanc de côté, et puis nous faisons l'Afrique comme continent, parce qu'on est, quel qu'en soit, où est-ce que nous sommes là, une extension de l'Afrique. Donc, moi, c'est positif. Et si on veut rentrer dans la politique, ma fait politique, quel que soit les gens, m'a mené Haïti directement en Afrique. Sous n'importe quelle forme, culturellement, politiquement, stratégiquement, socialement, ou après directement des nations africaines. Parce que c'est une démarche. C'est une démarche diaspora qui consiste à parcourir le même nombre de kilomètres à l'aller qu'au retour. Parce qu'on est là en tant qu'Africains. Quand c'est une sorte de monde haïtien, ça veut dire que nous ne devons pas être nous sinon gâtés. Mais si la démarche diaspora n'est pas respectée, il y aura beaucoup d'assassinats de
cabinet Jovenel Moïse, nous va jamais une justice pour nous. Bon, moi d'accord jusque là parce que et en tant qu'haïtien nous avons origine, nous avons côté nous sorti et j'ai l'impression que jeunes jeudi à là haïtien blie origine, c'est ça qui fait le plus facile pour acculturation faite, le plus facile pour nous retrouver nous dans blanc dans colon que nous retourner avec origine noire avec souche nous. Et avant d'entrer dans la question fanatique yo, et sénateur Jacques Sauvé, en termes de production législative, pendant ton passé dans le Sénat République là, est-ce que je dis à la population haïtienne nous a compté sur des propositions qui n'ont tiwa que le sénateur Jacques Sauvé a fait dans l'intérêt pays, dans l'intérêt population? Moi, son sénateur qui était assiégé dans le Parlement avec une mission bien déterminée. Parce que être législateur, c'est quoi? C'est, comme t'as dit, moi, j'aime t'as expliqué, ce que ça veut dire que qui prérogatif un parlementaire. Et travail pour capable de faire loi et puis contrôler les actions de l'exécutif. Donc, là où fait loi, ou bien doit faire loi ou proposer, ou bien doit tout participer dans l'élaboration des propositions de loi. Ça veut dire que c'est ta présence qu'il faut, il te faut là, un bilan officiel sur les graines, ou après le Parlement, ou après demander quel est le bilan du sénateur d'urgence, et après le jour, mes quantités de présence les graines, mes quantités de loi qu'elle participe dans l'élaboration, et position qu'on prend en commission, mais qui type de bail que fait. Moi-même, je m'étais fait ça tout. C'est-à-dire que je m'étais choisi de faire tout dans le bilan, je suis allé après une bonne proposition de loi, que je participe dans l'élaboration, et je suis venu, corrigé, sous cas déjà parlement fonctionné, ou après, qui quantité d'intervention que je fais. Mais moi-même, mission, je suis dans le parlement, c'est plus gros toujours que faire loi ou tout laisse contrôler les actions de l'exécutif. Et ma compétition tellement bien que je dis à ma garde de l'équipe qui a dansé en don assiette, plein de valeurs qui a sorti. C'était une bataille contre la corruption. Et c'est moi qui ai initié, aux côtés du sénateur La Tortue, la commission éthique et anticorruption qui n'existait pas avant au niveau du Parlement. On a dû amender les règlements intérieurs du Sénat pour introduire ces deux commissions qui étaient la commission Jean et la commission éthique et anticorruption, dont j'étais le vice-président de cette commission pendant tous les 4 ans, pendant toute la durée de mon mandat. Donc on a mené cette bataille et Petro-Caribé, à point que même m'utiliser carrière artistique pour me faire chanter, musique, carnaval, pour parler de lui en maîtrise, maman, on était parlé au log, l'argent l'État, non, mais on pendant de mon travail au niveau du Parlement, je faisais aussi ce travail dans l'opinion. Et par la suite, le monde entier était venu à camper avec mon tableau de valeur dans les côtés de l'Opéto-Garibé. Et ça, c'est que Jacques Sauvé-Jean. Je ne me parle pas réclamé, je ne me parle pas réclamé pour me parler comme d'azur, par être nègre qui a accompli une mission pour me faire plaisir. Mais je sais que ce problème de la corruption, on est observé dans tout le pays d'Haïti que c'est un empire gros problème. Maintenant, le deuxième cas fou que je devais traverser, que je ne parlais pas traverser, et que je devais traverser quand même, qui est très difficile, c'est qu'à fond d'impunité, avoir un système judiciaire, avoir un système de justice avec un esquelette pouvant faire justice aux victimes. Tu vois, parce que l'arrivée en Haïti, où est-ce que ça passait, où je ne sais pas, il y a eu la une fois que son matériel, tout soit comme ça. Donc, son formule américaine, l'aucun américain a volé ou bien fond d'arrivée, il m'a dit, so what? Donc là, on vient face à l'impunité que Bagué est vraiment en la donne, mais si on quitte une saisie exécutive là n'importe où, après l'impunité campée, mais au niveau de mon travail, au niveau du Parlement, ma bataille fut une bataille contre la corruption et contre l'impunité que je menais avec beaucoup de... L'impunité, avant pour la question et d'autres, est-ce que vous avez l'espoir là pour nous faire une justice au président Jovenel Moïse à croûte et juge instruction Voltaire après avec le dossier à la semaine passée à ce qui est confrontation qui fait Dimitri Erol, Léon Charles, la guerre civile. Est-ce que ouais juge instruction selon vous même sous bonne voie ou bien dossier assassinat président Jovenel Moïse et yon jour tant que je dis à la a bien justice, a bien lumière qui fait ce dossier? Comme Jean-Jacques Dessalines de mourir avant Jovenel, est-ce que vous avez justice pour Jean-Jacques Dessalines? Bah ouais là. Eh bien, ça veut dire. C'est ce que ça te moura avant. Si je l'ai même qui tue, c'est blanc qui tue. Et c'est blanc pour bonne justice. Alors, comme ça,
comme tout le monde travaille à blanc, d'après vous, même vous êtes chef de sécurité par les nationales, si c'est pas blanc, on a travaillé, immigré là. Ou qu'un chef de la police, si c'est pas blanc, qui met d'eau, ou qu'un pas ministre de justice, si blanc va d'accord. Même Jovenel, qui mourit à tout, il était le président, si blanc va d'accord. C'est pas papa qui tue, parce qu'il a fait walk-law, ou bien parce qu'il a fait maladroit, parce qu'il crée, il va faire des barrières, il va faire des barrières, ou même, nous allons attendre pour qu'il demande à Matou éliminer, pour qu'il va chier, pour qu'il va chier, pour qu'il va chier. Même très souvent, tout le monde en Haïti, ou qui a victime, ou bien qui, on va dire, il y a toutes des responsabilités, on a un propre. Destiné, parce qu'ils ont choisi délibérément d'être de blanc sans condition. Et ils travaillent tous pour le même patron. Et ça, c'est le journal et la peine du signe pour le jeune justice, parce que son patron, c'est ce qu'on a fait pour qu'il mette à genoux. C'est ce qu'on a fait. Donc, peuple a une illusion là, l'homme a demandé justice au président. Oui, peuple a c'est pour l'autre bagaille. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, quand on parle du peuple, il faut croire qu'on a affaire avec le bon Dieu, aussi innocent, aussi coupable qu'au Kawé, ou qu'on dit qu'on peut coupable ou bien innocent. Et puis, bon, j'aime aborder le même genre avec des gens, pas aborder un citoyen ou un politicien quelconque. Et pourtant, c'est le peuple-là qui pour nommer, qui pour élu politicien, pour gérer. C'est le peuple-là qui est président, et puis c'est les sénateurs, c'est les députés, c'est les magistrats. Mais il est délégué à Mounsao de pouvoir, parce que Mounsao l'a oublié. Parce que son droit de signature que le peuple a fait, si vous ne parlez pas de la ligne que le peuple a voulu, ou pas, la démocratie va réserver l'autre balai à Mounsao que la prochaine fois on ne va pas voter. Mais après ça, c'est vous causez nous la donne là. Bon, je vais passer rapidement parce que je ne vais pas trop l'autre sénateur. Et bon, question tellement rapide, je vais prendre deux questions. Moi gagné et Spencer qui vont en question pour le sénateur. Livim mandé et Jacques Sauveur Jean pour qui moun nan nord pa continuer à idéal Christophien hein, que yo chasse Moïse Jean-Charles et sous scène n'a pas prôné des chouka violence ça construit et pour nous mêmes qui n'a pas au prince ka vini plutôt investi dans nord au lieu nous appeler de traverser kay voisin surtout dans moment ça. Décentralisation supposée commencer dans le moment ça, Port-au-Prince, c'est Haïti. Et deuxième question, elle dit, Olivier, elle dit, pour qui ou même, à notre compatriote dans le Nord, nous passons aux gens pour nous doter Nord de un port maritime sérieux qui rend Nord indépendant d'Italie. Nous avons un propre terminal par nous pour le gang dans Port-au-Prince, à faire beurre, à cause de gaz, activité dans Port-au-Prince bloqué. Nous même dans Nord, nous allons continuer avec l'activité, nous sans que nous n'avons pas besoin de dépendre directement de Port-au-Prince. Mais, le monde qui fait gagner, il y a juste une mettre gagner dans le côté où mettre l'activité là. Parce que gagner, ce n'est pas ça, vous avez pris naissance. C'est mener ou mener là. Le problème n'est pas au niveau de si c'est Port-au-Prince ou bien si c'est au Cap. Quel soit pour tout un métro actif qui a produit positivement, et blanc pour les gagnants, ils viennent installer là, et puis ils viennent aux armes, et puis ils viennent dans une zone gauche, ils arrivent à rien dans la Tibonite, ils arrivent et ils viennent de côté, ils viennent de côté pour les gagnants. De mon côté, on espère que le combat est fait. Ils ont déplacé les gagnants, ils mettent là le contraire. Ils sont au Cap, fait ça, tout ça, pour ne pas avoir potentialité. Si on a potentialité, ils viennent de placer les gagnants avant même pour avancer. Le problème n'est pas là, le problème c'est que ça. Il faut que nous connaissions, pour nous identifier, pour nous évaluer, pour qu'il y ait une bataille que nous allons faire. Nous allons reprendre les propos de Malcolm X. Ou pas besoin tant que ça, blanc, ou pour faire, ou pas besoin, ou doué pour chita, pour analyser, et bien, ou garder qui tactique, ou pour le mettre à terre, ou qu'il et qui modèle bataille, ou pour le mener. Mais cependant, nous ne pouvons pas aller pour nous-mêmes identifier. Mais nous, parce que nous avons pris les nègres du pays, nous avons pris les blancs des pays amis. Nous demandons à agir depuis que nous parlons, nous disons que ce sont les amis d'Haïti qui parlent. Donc nous ne pouvons même pas aller pour nous faire face à la réalité. Et moi, je ne parle pas maintenant de Moïse Jean-Charles. Je ne parle pas maintenant d'Aristide. Je ne parle pas maintenant de série de leaders. Parce que c'est des leaders de rôle. Ou l'on nous en bien ou mourir. Ou l'on nous en mal ou mourir. Ou pas comme ça qu'on fait. Yo fait mal ou pas fait mal. Yo fait mal ou pas fait. Parce que ou pas même connaît, c'est des mondes imprévisibles et qui gagne des mondes avec eux, monde ça, c'est des mondes imprévisibles, tout inconcevable. Donc ça veut dire que moi, et là on est posé mon question, je vais nommer non, moi je suis en salle là, donne pour me donner mon position, je vais dire mon cher,
ou pas les réponses parce que je ne parle pas parler de Nexa directement puisque son situation est très fragile. Ok, après dernière question, sénateur. Et ça, c'est une question que Gary Scholl lui posait, lui voyait pour. Il dit qui contribution ou capoter dans la démarche pour appliquer la loi contre oligarque qui plus et qui depuis 200 ans. Yo pas avle quitter pays en marché. Qui solution ou ka propose pour résoudre crise là qui gen même mal fini international, national ak local côté que international là pas suspend choisi président pour nous, yo pas suspend nommé sénateur ak député pour vendre pays en bas. Ma première sur Nexa yo et c'est ça que me commencer comme ça, reprendre l'idéal de s'aligner, la prospérité des nègres par les nègres ou les nègres dans un pays nègre. En Haïti rien n'est pour prospère pour mes conditions. On n'a pas besoin qu'on lit, on n'a pas besoin qu'on écrit, on n'a pas besoin qu'on ait premier bagage là, fort ou grimaud, fort ou blanc. C'est-à-dire que pour mes conditions, en condition sine qua non, fort ou blanc. Donc si on ne peut pas résoudre le problème ça, on ne peut pas chercher qu'à comprendre qu'il y a pour jouer le monde ça. Pourquoi ça? Parce que j'ai toujours cherché fierté, paternité du côté de la prospérité. Et donc à qui appartenait tel fink, tel blanc. Ils ont même choisi de payer délibérément 21 milliards de dollars à pour dédommager les colons français et tout leur signé papier pour faire des questions au fait avec garder bien vous en bas de la peau bleue rouge. Il y a deux couleurs de la peau en Haïti. Il faut pour nous comprendre. Toujours moi, vous comprenez ça, ma boîte que vous parlez pour vous-même. Noir et rouge et bleu rouge. Dans noir et rouge, là, marqué liberté ou la mort. Dans bleu rouge, là, marqué l'union fait la force. Bleu rouge, là, il y a un emblème qui marque l'union fait la force parce que Haïtien est même blanc en pile. Haïtien est même blanc en pile. Comme vous prenez vous, Haïtien est même blanc en pile, Haïtien est même mulat. Ça veut dire que le mulat lancé et slogan ça qui dit l'union fait la force, mais la force se trouve dans la main des mulats. Ou après que l'union fait la force, il parle de l'unité des noirs et des blancs, mais la force dans les mains des mulats, mais l'unité, c'est l'unité des noirs et des blancs. Et ça, bon, l'union fait la force dans le drapeau et dans le bicolore bleu rouge. Et regardez combien de temps bicolore bleu rouge l'a fait sous pays d'Haïti, dans 200 combien de temps. Et regardez combien de temps noir et rouge l'a fait dans le pays d'Haïti, dans 200 combien de temps. Or, dans le noir et rouge l'a marqué liberté ou la mort, parce que c'est un acte de saline, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre choix. Il n'y a pas quelqu'un d'autre choix. C'est ou bien tu es mouru ou bien tu es libre. Et moi-même, c'est dans le noir et rouge l'a mis. Liberté ou la mort. Donc, ma prise sur mon salaire, tout ça, mais cependant, il faut commencer par le commencement. On doit travailler pour la prospérité des nègres, par les nègres, pour les nègres, dans un pays nègre qui est chez nous. Et sénateur, et dernière question pour me quitter, Wale, et qui perspective vous pour nouvelle année 2023, dans quelques jours là encore, c'est 2023, perspective politique, et sous ta bon conseil ou ta baille là, en termes de sécurité, pour établir sécurité en dedans pays, on n'a pas guère parlé sous demande d'intervention militaire en réalité, mais globalement, qui perspective vous même en tant que politique ou gagner pour nouvelle année, cap gagner pour venir, et dans quelques jours encore? Moi, je ne parle pas de grand-chose. Moi, c'est le type de nègre qui pour sa politique à l'instar de Michael Jordan qui a joué au basketball. C'est plus dans 3 points que je fais l'équipe en gagne. Parce qu'en bas, il y a tellement de coups d'avoir qui a joué, tellement de monde qui a joué pour jouer au sale, que pour être en bas, il y a pas besoin de faire 3 points. Mais de vous, pas loin, on même la style dans la panier où on a passé sans eau. Et là, ça va prendre les stades dans les oui. Dans l'élection, on va prendre tout le monde, tout le temps. Je ne peux pas jamais compter sur moi parce que sous n'importe qui forme, force à changer. Et merci en pile, les sénateurs Jacques Sauvage. C'était un plaisir pour me faire avoir une émission pour nous faire parler sur la situation au pays. J'espère qu'il y a une autre occasion. Et merci pour la disponibilité. Et nous croisons le front encore. Moi, pour vous remercier, je suis toujours disposé à vous-même. Et puis, bon travail. Bravo pour le travail que vous avez fait. Pas tout le monde qui fait le même avant. Donc, vous différenciez totalement. Et félicitations à tout vous-même et à toute l'équipe. Pour vous remercier encore. Merci bien. Bonne journée. Bon, là, nous souhaitons gagner sénateur Jacques Sauvage. Jean-Avel nous font bon bout de temps à parler. Et mes amis, excusez-moi parce que question est tellement pile, pas de temps, nous, qui quantité de temps d'interview en fait, pas de temps passer toutes questions, c'est seulement deux questions, moi, t'es guetant prêt. Et m'ban nous garantis, question nous yon là, question nous yon à l'abri, n'importe occasion, moi, contre sénateur, m'a pas toujours poser la question, on a pas toujours joué une réponse. Et seul bagage nous gagne pour nous faire là, c'est encourager, travailler, partager émission, puisque là, nous réponse yo moun ki te pose question sur assassinat président Jovenel Moïse, nous jwenn réponse yo moun ki te pose question sur instabilité politique lan, nous jwenn question yo est-ce que sénateur la pralé
li pral aller la tourner dans question politique, nous joindre une réponse. Donc c'est sûr que dans l'ensemble, tout le monde qui te pose une question d'une manière ou d'une autre, li joindre une réponse. Même le son petit calé jeune dans question de poser en li joindre une réponse quand même, et y a bien l'autre occasion pour nous continuer dans le pays, puisque c'est solution à chercher à problème pays, n'a toujours qu'à créer des occasions, des opportunités pour nous poser autorité, pour nous poser des hommes politiques en dedans pays en question qui ca aider nous garder plus bien réalité politique là. Merci à vous même qui t'a suivi vidéo, merci à vous même qui t'a donné toute attention li. Merci n'a croisé on l'autre fois encore continuer encourager travail positif qu'a fait là. Rendez-vous en casté dans une autre vidéo. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays et puis on agit. Désespoir, de machination politique, il est nanti. Mon éditorial, je dis tout. Mon éditorial. Émission Mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le débat.